Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 28 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Cran, première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette compétition richement dotée, puisque 58 000 euros seront distribués à l'issue de cette course C, les Européens ont droit de concourir contre les Français. Comme souvent dans ces cas, les visiteurs qui demeurent en retard de gain devraient damer le pion au tricolore. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 14, Heading Reference. Jean-Michel Bazir l'aime beaucoup et pense qu'il peut confirmer son dernier succès obtenu avec autorité. Déféré des 4 pieds et troisième plus riche de l'épreuve, il est logiquement le probable favori. En deuxième choix, le numéro 16, Holy Water. Thomas Malouvis l'aime beaucoup et pense qu'aujourd'hui, en tant que plus riche de l'épreuve avec l'aide d'Adrien Lamy et déféré des 4 pieds, il est capable de renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Vikens High Yield. Robert Berg fait appel au service d'Éric Raffin et comme son pensionnaire reste sur deux belles victoires, il peut logiquement lui aussi espérer tripler la mise. En quatrième position viendra le numéro 7, Fragonardello. Après des courses plutôt moyennes, il a renoué avec la victoire plutôt plaisamment. Déféré des 4 pieds et piloté par Kevin Leblanc, il aura lui aussi de nombreux fans. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Pinto Bob. Deuxième atout de la maison Berg, piloté cette fois-ci par Björn Goop, ce fils de Maharaja peut espérer lui aussi prendre une part active à l'arrivée. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Falco Berry. S'il est décidé, dans un tel lot, il peut tout simplement réaliser un véritable numéro. En avant-dernier choix, le numéro 12, Zeloff. Antonio Ripoll-Rigo le trouve mieux que lors de sa dernière tentative, et il ne serait pas étonnant qu'il reprenne sa marche en avant. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Staro Italy. Jean-Philippe Darondel fait appel au service d'Anthony Barrier pour ce mal de 10 ans, et ce n'est pas sans une idée derrière la tête. En cas de non-partant, le numéro 6, Vaprio, piloté par Gabriele Gelormini, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, Turf Sélection indique le tiercé, dans l'ordre, ce dernier affichant un rapport de plus de 110 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP turf-fr.com.